allez bien? Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors nous, aujourd'hui, on est dimanche de Pâques et c'est notre premier jour à Campeche. Du coup, comme c'est Pâques, j'ai quand même préparé pour Liam une petite surprise. J'ai acheté, chut, je parle pas trop fort, il est pas très loin, plein de petits œufs comme ça à remplir. Dedans, j'ai mis plein de petits chocolats et compagnie. Et j'ai mis également des indices pour trouver un trésor. Et ouais, il y a un trésor caché, un petit cadeau. Chut. Donc voilà, on va faire ça tranquillement. Je vais aller cacher tout ça. Et après, on partira à la découverte de Campeche. J'ai vu un truc dans le pack là. Oui. J'ai vu un truc bizarre. Mais il y a quoi? Je sais pas, mais je crois qu'il y en a d'autres un peu partout. Je me suis réveillée à 11h25. Je sais pas où on a... Ah non! Ah, je sais pas, il est passé! Je sais pas, il est passé! Ouais, ça va. Il est passé, bon, en France, c'est pas plus des barbecues. Il est passé, le petit lapin! Oh, mais c'est pas étonnant. C'est bon, il est passé, c'est pas... Kilo. Waouh! Quoi? Il y en a des choses, hein? Ouais, t'en as des choses! Les tris! Ouais. Bah là, nous, là, il y a un. Toi, on a... Donc là, il faut. Il y a plein de petits papiers. Il y a plein de petits papiers chiffres. Il y a plein de petits papiers, il faut les mettre dans le bon ordre. Et moi, je vois pas le 1. 1. Attends, mets-le. Là, 1. 2. 3, 13. Alors, tu veux que je te lise ce qu'il y a écrit? Oui. Derrière le gaz. Oui. Qui est derrière les caisses. Oui. D'affaires pour manger. Oui. Tu trouveras. Oui. Le trésor. D'accord. Je veux trouver le trésor. Il y a écrit que c'est derrière la bouteille de gaz. Essaye de toucher avec ta main si tu vois quelque chose. D'accord. Il faut qu'on enlève la bouteille de gaz. Tac. Crayon. Tu trouves rien? Non, je trouve rien. Je trouve rien. Quoi, je trouve... Derrière ça. La cave, quoi. Alors, est-ce que là tu vois quelque chose? Vraiment. Un sac. Un sac? Ouais. Bah essaye d'attraper le sac que tu vois, c'est peut-être ça. Il est tout au fond. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y. Allez, vas-y, sors. Ouais. C'est ce que je voulais. On les a vus, on a été dans le village. On a participé à la... Cool, Liam, t'es content? Oui. Eh ben eux, ils ont mis le disque à l'envers. Bon. Papa, il peut pas s'empêcher de l'aider, hein. Regarde. Hein, Tintin? Oui. T'aimes trop ça? Oui. Pire que les gosses. J'ai fait les roues. Bon, bah c'est parti. Après ce petit pack improvisé, direction le centre de Campeche. Allez-vous, on vous emmène. I know it's nothing new. So good to see you. Wow, déjà ça c'est super beau. We do this every day. Alors Campeche, vous allez le voir, c'est une ville qui a été fortifiée. Et parce que il y a des années, une ville tout en bord de mer et qui était vraiment attaquée par les pirates. Et du coup, ils ont construit en fait toute une forteresse autour de la ville pour éviter qu'elle se fasse à piller, parce que c'était un peu la cata apparemment, je crois que c'est au 16e siècle. Voilà, pour la petite minute historique. C'est pas mon fort, soyez indulgents, mais j'étais en train d'expliquer à Liam pourquoi il y avait des forteresses, parce que lui qui adore les pirates, voilà. Donc je vous en fais part. Oh, it never ends. It's being more than
here to stay. Every single day. So hold me tight. Comment t'es arrivé là, toi? C'est quoi ce trottoir? Ça, c'est du trottoir. Tu joues en terrasse? Ouais. Tu verras en terrasse, on s'est dit ça faisait longtemps. Et du coup, petite sangria. Ça, ça faisait pour le coup très longtemps. Je sais même pas quand c'est la dernière fois que j'ai bu une sangria. Ouais. Peut-être cet été, enfin l'été dernier quoi. Et encore que, vu qu'on n'est pas parti l'été dernier, je suis même pas sûre. Parce que d'habitude, c'est un truc qu'on prend en vacances. J'ai mes lunettes qui sont de casser la figure. C'est un truc qu'on prend en vacances généralement, donc je pense Tintin que c'était... Non, je sais pas. Moi, de mon souvenir, les dernières, c'était nos vacances à Majorque. Et ça, pour le coup, ça va remonter 2 ans quand même. Posé pour la nuit sur un parking à côté du Home Depot. C'est pas super glam, mais apparemment on y capte la wifi et comme faut que je upload des vidéos et tout, donc voilà, on a fait pratique ce soir au lieu d'esthétique, mais c'est pas grave. J'espère que les images d'aujourd'hui vous ont plu. Voilà, alors je pense que vu la vidéo, on a l'impression que la journée était idyllique, au final pas tant que ça, parce que on a encore un problème sur Jean-Louis. Si. C'est-à-dire qu'on démarre à nouveau en poussant, ça ne démarre pas. On dirait qu'on a un problème avec la batterie. C'est comme si rien ne démarrait, que la batterie était à plat. Alors qu'on, voilà. Donc Valentin commence à regarder ça maintenant et il verra ça demain. Voilà, on est obligé de démarrer en poussant. Bon, au moins on peut rouler, hein, me direz-vous. Mais bon, voilà, c'est pas hyper pratique. À croire que, voilà. Enfin. Toujours la poisse quoi. Et en plus dans Campeche, quand on se baladait, Liam s'est pris un truc dans l'œil à cause du vent et il avait vraiment très très mal. Il est resté peut-être bien 1 ou 2 heures l'œil fermé, il n'arrivait pas à ouvrir son œil, donc voilà. Là ça va un petit peu mieux, donc j'ai mis du sérum Fi et tout ça. Ça a l'air d'aller mieux, donc on verra demain comment ça se passe. Mais voilà, journée pas si simple de notre côté, nous qui espérions pouvoir reprendre notre voyage tranquille. J'ai l'impression que ça sera pas si simple encore une fois. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça nous fait déjà du bien d'être reparti et d'être dans un nouvel endroit. Et puis ben, comme d'hab, on va faire avec, s'adapter et trouver des solutions. Hein. Bref, allez, sur ce, je vous dis à demain, du coup, pour savoir la suite. Hein. Allez, ciao, ciao.